cette recette, vous avez besoin d'huile végétale, d'un oignon et demi, de 5 piments africains rouges, d'un gros bout de gingembre frais, de 5 gousses d'ail, d'un bouillon Maggi, un bouillon Maggi poulet, du romarin sec, du persil sec, du sel et une boîte de tomates pelées. Alors, commençons. Dans votre blender, mettez votre piment, votre gingembre, vos oignons, votre ail, à peu près tout quoi. Votre ail, votre bouillon de Maggi, donc ça c'est le petit bouillon, votre bouillon de Maggi saveur poulet. Okay? Si vous préférez saveur bœuf, vous pouvez aussi l'utiliser. Okay? Ensuite, mettez-y votre boîte de tomates pelées. Si vous préférez utiliser des tomates fraîches, vous pouvez, mais le temps de cuisson sera beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les tomates fraîches. Donc, si vous voulez une recette rapide, c'est celle-ci. OK? Donc, ensuite, ajoutez une cuillère à café de romarin et ensuite une cuillère à café de persil sec. OK? Et ensuite, mixez. Faites en sorte que ce soit très bien mixé. Donc, je recommanderais de mixer pendant à peu près 1 minute. Comme ça, on est sûr. Voilà. Une fois que c'est prêt, arrêtez votre mixeur et on va passer à la casserole. Donc, réchauffez une casserole et ajoutez-y une tasse d'huile ou une tasse et demie d'huile. OK? Une fois que votre huile est chaude, vous pouvez y rajouter votre piment. Okay? Faites attention de ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Voilà. Une fois que vous avez ajouté votre piment, vous pouvez réduire le feu et mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Pourquoi une cuillère en bois? C'est parce que la casserole que j'utilise est très fragile et il faut ce genre de cuillère. Voilà. Ensuite, laissez cuire pendant à peu près 7 minutes pour commencer, ok? Tout en mélangeant un petit peu et en faisant attention de ne pas se faire brûler. Et ensuite, vous pouvez y rajouter du sel. Faites attention avec la quantité de sel ajouté parce que ça peut partir très très vite. Et votre piment ne sera plus bon, il sera trop salé. Donc, rajoutez du sel, mélangez et je vous conseille de goûter le piment. Comme ça, vous saurez si vous en avez besoin de plus ou moins. Et ensuite, laissez mijoter encore pendant à peu près 10 minutes jusqu'à ce que vous voyez que une bonne quantité d'huile apparaît au-dessus, comme vous voyez ici. Et puis, vous pouvez éteindre et votre piment africain ghanéen, vite fait, est prêt, vous pouvez déguster ça avec tout ce que vous voulez, surtout avec du riz, c'est magnifique. Merci d'avoir regardé et à plus tard. Au revoir.